Elle est née deux fois, et elle est née deux fois, comme le dit mon collègue Jean Jolivet, une première fois en tant qu'activité spéculative théologique au 8e siècle, donc un siècle après la révélation de la religion musulmane, et une seconde fois au 9e siècle, avec Al-Kindi, avec un grand mouvement de traduction inauguré en 833 par la création de la Maison de la Sagesse par le calife abbasside Al-Ma'mun, un calife qui, au 9e siècle, a voulu absolument dynamiser l'héritage grec et l'héritage grec seulement pour en faire en quelque sorte une composante majeure de la culture hybride qui s'est constituée au 9e siècle. Donc une première fois avec la théologie, c'est cette idée qu'il y avait véritablement une spéculation philosophique chez ces théologiens autour des attributs divins. Sont-ils résidents dans l'essence divine? Sont-ils inhérents à l'existence divine, à l'essence divine, pardon? Et donc, entre cette résidence et cette inhérence, il y avait véritablement une forte thématisation philosophique, parce que s'ils sont résidents dans l'essence divine, c'est que Dieu n'est peut-être pas si un que cela, puisqu'il accepte la résidence en lui d'attributs. Et si Dieu est véritablement un, comme dira une autre partie théologique, s'il est parti complètement un, ses attributs ne sont qu'une façon de parler et non pas des choses qui résidaient en lui, sont inhérents en lui. Mais s'ils sont que des façons de parler, est-ce que Dieu est omniscient comme façon de parler, vivant comme façon de parler, omnipotent comme façon de parler? Finalement, les attributs perdent leur réalité et ça ne va pas non plus. Et quand on a une pondération d'argumentation entre deux orientations avec des raisons et des justifications données des deux côtés, on a déjà une spéculation philosophique. Mais mon ouvrage, Pourquoi lire les philosophes arabes, s'est intéressé surtout à la seconde naissance. Et la seconde naissance, elle est faite avec Al-Kindi au 9e siècle. Et avec Al-Kindi au 9e siècle, c'est lui qui finalement a été choisi pour diriger ce pôle de traduction des œuvres de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, de Galien. L'orientation médicale est aussi très très importante. Et finalement, ces sciences profanes, sciences profanes pourquoi? Parce qu'il s'agit de philosophie, d'arithmétique, de géométrie, d'astronomie, de médecine. Ces sciences profanes vont entrer en symbiose avec les sciences religieuses. Et les sciences religieuses, ce sont les sciences relatives à la jurisprudence, au usul al-fiqh, et relatives à l'exégèse religieuse, au usul din. Et finalement, c'est ce à quoi on assiste, non pas un parallèle et une dichotomie ou une juxtaposition entre ces deux sciences profanes et sciences religieuses, mais au contraire à une composition hybride entre les deux. Et c'est ce nouveau savoir philosophique, j'entends par philosophie cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus ample que ce que l'on entend aujourd'hui, puisque ça comprend toutes les sciences exactes dont j'ai parlé, et y compris bien sûr les sciences de la logique qui vont prendre une part importante. Donc ce contexte, c'est ce contexte de traduction au 9e siècle, sur fond d'une spéculation déjà liminaire deux grandes écoles théologiques, les Mu'tazilites et les Ash'arites, pour ne pas les nommer. Cette inauguration par la traduction, je crois, est un enjeu important. Vous avez parlé du linguistique. Quand je dis philosophe arabe, je dis philosophe ayant écrit en arabe. Ça comprend aussi bien au Xe siècle quelqu'un venu de la Perse comme Ibn Sina Avicenne que Al-Farabi qui vient de ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui. Et donc, en réalité, des philosophes d'Asie centrale sont également labellisé philosophe arabe en raison du véhicule de la langue et qui fut celle dans laquelle ils ont écrit la langue arabe. Alors la philosophie, falsafa, comme c'était véritablement une pratique étrangère à ce milieu, qui a d'abord connu massivement l'extension du paradigme religieux, il fallait en quelque sorte justifier cette pratique. Et cette pratique va être justifiée comme une pratique
effectivement, labelliser sagesse. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a l'impression que sagesse et philosophie, il y a un va-et-vient sans aucun enjeu. Mais là, l'enjeu est très très important, parce que si le mot falsafa ne parle pas à cette communauté, le mot sagesse parle complètement. Et le mot sagesse parle complètement parce qu'il figure dans le texte sacré. Il est dit que nous avons fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Al-Kitab wal-Hikma. Le livre et la sagesse. Et donc, du coup, le mot sagesse va être approprié par ces philosophes pour dire, eh bien, cette pratique venue des Grecs, on les appelait les anciens, cette pratique venue des Grecs est une pratique qui de part en part correspond à la sagesse mentionnée dans le texte sacré. Et donc elle va être labellisée sagesse pour être justifiée, pour être légitimée. Et elle va recevoir une seconde légitimation par la charia, la loi divine, puisque la loi divine est considérée non pas comme un code pénal, comme beaucoup veulent l'entendre aujourd'hui, non, non, la loi divine est entendue comme une voie d'orientation donnée par le texte sacré, et cette voie d'orientation, c'est une injonction à aller chercher la connaissance partout, dira Ibn Rushd, Averroès, et de ce point de vue-là, précisément, la charia justifie l'activité philosophique en tant que activité qui porte à croire, et à savoir, pardon, porte surtout à savoir, excusez-moi, porte à la connaissance, et cette visée de connaissance, des gens comme Ibn Rushd, des gens comme Al-Kindi, comme Al-Farabi, considèrent que c'est quelque chose de programmatique inscrit dans cette nouvelle religion historique qu'est l'islam. Mais en fait, la traduction s'est d'abord faite à partir du syriaque. Et le syriaque, c'était surtout des chrétiens qui étaient connaisseurs de la langue grecque et qui ont fait donc une traduction du grec au syriaque, puis du syriaque à l'arabe. Et donc, le monde d'Al-Kindi et d'Al-Farabi de Bagdad est un monde complètement composite au niveau des communautés religieuses. À l'époque, on ne parlait bien sûr pas de nation. Le mot nation intervient surtout au XIXe siècle. Donc, ce sont des communautés religieuses qui travaillent selon ce que moi j'appelle un universel composite, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une convergence de points de vue sur l'objet qui est la philosophie. Et donc, on a Matta ibn Yunus, qui est chrétien, on a Yahya ibn Adi pour Bagdad, pour Cordoue plus tard. On a bien évidemment Maïmonide, qui lui aussi écrit en arabe, qui écrit le guide des égarés, mais c'est une traduction que moi je réfute. Il a écrit Dalalat al-Ha'irin, un signe pour les perplexes, parce qu'il n'y a pas spécialement de guide, il n'y a pas spécialement d'égarement, il y a simplement une perplexité quand on est né dans une religion et qu'on s'interroge sur la place que prend l'intelligibilité et la recherche des raisons, puisque le propre de la religion, c'est d'aller du côté de la piété. Et la piété, c'est une façon d'arrêter la justification. Or là, on est dans une démarche de justification. Comment concilier la piété sans justification et la raison qui est à la recherche de l'ultime raison des justifications? Et donc, il y a une véritable perplexité qu'avait pris en charge Maïmonide, de confession juive, mais écrivant en arabe. Donc, effectivement, il y a ces liens, et par la traduction et par la langue, de confessions différentes. C'est Aristote notamment. Autrement dit, autant dans la Grèce ancienne, on avait la figure de Platon qui était dominante, au Moyen-Âge arabe, et ça sera confirmé après par le Moyen-Âge latin, Aristote devient la figure dominante. Il prend en quelque sorte la place première. Aristote, à travers sa métaphysique, à travers sa physique, à travers sa logique. À travers sa métaphysique, al-falsafa al-oula, la philosophie première, la science de l'être en tant qu'être. Donc il y a véritablement une ontologie, une réflexion sur l'existant. Ça semble
pour nous aller de soi, de s'interroger sur ce qui existe ou sur ce qui n'existe pas, mais c'était une réflexion nouvelle, la science de l'existant, la science de l'existant en tant que tel, en tant qu'existant, donc il y a une forte abstraction donnée par l'outil métaphysique, avec une orientation sur la causalité, cause matérielle, selon quel matériau, cause efficiente, selon quel effet, cause finale, selon quel but, selon quelle fin, et cause formelle, selon quelle conception, quelle forme. Et donc, la théorie des quatre causes va effectivement dominer. Il y a bien sûr ce style très pédagogique d'Aristote qui va beaucoup plaire pour une transmission, tout à fait adaptée à la transmission, mais il y a aussi Platon sous la forme allégorique, mythique, Platon va être un joli sujet d'intégration de la philosophie parce que son écriture est apparentée à l'écriture coranique. C'est-à-dire que c'est une écriture imagée, une écriture par d'aspect formulaire, avec des paraboles, avec des images. Et donc, la première conciliation qui va être faite, c'est de dire, nous avons un double héritage des Grecs. Ce n'est pas un héritage contradictoire, contrairement à ce qui a été dit, parce qu'il y a eu tout de suite un clan d'objections disant nous n'avons pas besoin de cette philosophie parce que ces philosophes se sont contredits. Donc le premier travail, c'est de faire une osmose de Platon et d'Aristote. Ce travail a été bien effectué par quelqu'un comme Al-Farabi au Xe siècle qui parle de l'harmonie des deux sages. Et donc tout est dit dans le texte Al-Jama' Bayn al-Hakimayn, l'harmonie des deux sages, l'harmonie, le compendium, l'osmose de Platon et d'Aristote, qui sont appelés sages, compte tenu de ce qu'on a dit sur la sagesse, pour pouvoir introduire la philosophie. Donc l'harmonie des deux sages, Aflatone al-Ilahi, Platon le divin, et Aristote. Et il y avait cette inspiration, en quelque sorte, divine, dans le texte platonicien, qui a été fortement accentué. Et donc, Al-Farabi va essayer de dire qu'en réalité, il y a deux styles différents, mais une même recherche de la vérité. Et donc, tout cet héritage doit être pleinement assumé, parce que ce dont il s'agit, c'est une histoire de la vérité qui se décline chez les Grecs et qui est reprise en relais par les Arabes, qui vont donner en quelque sorte leur ton, leur accent, leur tonalité. Et de ce point de vue-là, précisément, d'abord une conciliation des deux philosophes majeurs de la Grèce ancienne, et après, une fois que cette conciliation est faite, une seconde conciliation entre la philosophie et le texte sacré. Et donc, ils ne vont pas cesser de faire du travail continuiste et du travail d'osmose afin de justifier la pratique philosophique. Et donc, pour Aristote, un bel exemple, c'est par exemple la logique aristotélicienne qui va être considérée comme un schéma éducatif tout à fait significatif. Et qui finalement est tout à fait conforme au schéma éducatif de Platon dans la République, le fameux épisode de la caverne de Platon. L'homme sort de l'obscurité pour aller graduellement vers la lumière. Et finalement, Al-Farabi va dire, c'est exactement la même chose que ce que Aristote a signifié dans les œuvres de la logique, puisqu'on passe d'abord des premières notions, les catégories, la conception, au jugement, deuxième niveau de réflexion, où on relie les notions, et au raisonnement, où on relie les jugements. Donc on passe à chaque fois à un mode de liaison différent, de la conception au jugement au raisonnement, tout cela sous le mode de la définition. Et donc les quatre grandes activités logiques du concevoir, du juger, du raisonner, du définir, vont être finalement reprises dans le cadre d'une sortie de la caverne. Et ça, c'est une des formes d'osmose qui a été réalisée
Donc cette philosophie arrive sous la forme métaphysique, sous la forme logique et bien sûr aussi sous la forme physique, avec toute une réflexion sur les êtres de génération et de corruption qui passent sur l'âme du monde, parce qu'à l'époque on pensait véritablement qu'il y avait une âme du monde. Ça s'est hérité en particulier de Plotin au IVe siècle. Il y a une âme du monde qui fait que le monde ne se disloque pas, et cette âme du monde insuffle en quelque sorte l'ordre qui fait qu'il y a un retour des saisons, qui fait qu'il y a tenue ensemble de cet univers hors du chaos. C'est-à-dire que la politique d'Aristote n'a pas été transmise. En revanche, la République a été transmise. La République a été largement commentée par Averroès. Il y a les lois de Platon, les 12 livres de lois de Platon, qui ont été commentés dans le compendium des lois par Al-Farabi, c'est cela, que moi j'avais édité par une traduction de feu Stéphane Dibler. Et donc j'avais édité ce texte en 2007 aux éditions du Seuil, et on voit bien Al-Farabi prendre véritablement au sérieux l'activité de législation de la cité, comment le législateur platonicien, donc il fait un commentaire, mais en même temps on sent dans le commentaire tout ce qu'il tout ce que le commentaire lui permet de dire, tout ce que le commentaire lui permet de problématiser. Il problématise un que le législateur dans une cité cherche à agglomérer la cité, deux que cette agglomération se fait par le respect. Curieusement, ça peut nous sembler bizarre, mais Platon l'avait dit, le respect des chants, le respect de la musique, le respect de la danse, c'est-à-dire que le législateur doit être attentif dans sa loi au plaisir que prennent ses citoyens, et ce plaisir doit en quelque sorte retentir, se réfléchir en miroir dans la loi, parce que la loi doit être plaisante et la loi ne doit pas être que contrainte. Et ça, c'est une thématique de Platon que Al-Farabi reprend. Et plus tard, Ibn Rushd, Averroès aussi, insistera beaucoup dans le commentaire de la République de Platon sur cette figure du philosophe roi qui devient philosophe imam, celui qui guide la communauté. Et il y a véritablement une recherche par ces philosophes d'un rôle platonicien, d'un philosophe qui a un statut majeur dans la cité. Il n'y a pas eu le commentaire de la politique d'Aristote, mais il y a des thématiques aristotéliciennes dans le commentaire d'Ibn Rushd, par exemple la thématique selon laquelle la politique concerne les actions volontaires des hommes. Et cette insistance sur les actions volontaires des hommes est effectivement une thématique proprement aristotélicienne. Alors ça fonctionne d'abord sur un malentendu de transmission. Il ne s'agit pas du tout d'une dualité de la foi et de la raison. Il ne s'agit pas du tout d'une dualité de la révélation et de la philosophie. Nous vivons trop sous le prisme d'Ernest Renan au XIXe siècle et des problématiques qu'il a charriées au XIXe siècle de cette dualité de la foi et de la raison. On avait également cette même dualité chez saint Thomas, accusant Averroès d'une double vérité. En fait, il n'y a pas de double vérité et il n'y a pas de dualité foi et raison. Il faut toujours revenir dans le contexte dans lequel ces philosophes ont écrit. Et ce contexte, si je reprends le titre du discours décisif d'Ibn Rushd, Averroès, c'est comment concilier, discours décisif de conciliation entre la loi divine et la sagesse. Et dans le texte qui a été traduit de ce livre en français, on dit conciliation entre la révélation et la philosophie. Le mot sharia est devenu le mot révélation, bizarrement, alors qu'il y a un mot tout à fait en arabe pour ça, al-wahi.
et le mot philosophie, sagesse a laissé place au mot philosophie. Averroès parle de sharia et de hikma. Il ne parle pas de foi et de raison. C'est-à-dire comment concilier la loi divine et la sagesse. Deux expressions du texte sacré et comment concilier une lecture du texte sacré, une lecture cohérente du texte sacré avec lui-même sur fond d'un héritage venu des Grecs. C'est beaucoup plus subtil. Avec cette idée qu'on est dans une ère pré-cartésienne, qu'il ne s'agit pas du tout de raison, mais qu'il s'agit d'intellect. Et l'intellect, c'est ce qui pense toujours. Donc l'intellect est éternel, donc ce n'est pas la raison humaine. Ça, c'est la révolution cartésienne avec un parti pris subjectiviste de la vérité, puisque la vérité s'incarne dans le sujet humain. Nous n'avons pas du tout ce parti subjectiviste de la vérité. Nous avons l'idée qu'il y a un trésor de pensée qui se promène, si je puis dire, comme un air, comme de l'eau, un élément dans lequel on entre plus ou moins à hauteur de son effort. L'homme ne pense pas toujours, mais l'homme peut s'adjoindre à l'intellect. Et cette adjonction à l'intellect fait qu'il se met à penser. Mais la pensée est une denrée rare et l'homme ne pense pas toujours. Donc la raison, finalement, ne sera pour l'homme, si on veut adapter ce qui serait véritablement la raison humaine, c'est une pensée discursive mise en mots de ce que l'homme capte en raison de ses facultés sensibles, à savoir la mémoire, l'essence, l'imagination, avec un accès à l'abstraction. Mais la raison humaine va de l'empreinte sensible aux intelligibles, alors que l'intellect, lui, n'est que intelligible. Et donc, la pensée la plus forte, c'est la pensée de l'intellect. Et cet intellect, eh bien, comme il pense toujours, il est divin, Aristote l'avait déjà dit, et finalement, concilier l'intellect divin avec la loi divine, ça va tout à fait de soi, puisque les deux sont divins. Alors cette loi divine, c'est certainement pas du droit positif tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, non. Cette loi divine est une, comme je le disais tout à l'heure, une orientation en quelque sorte du texte. Ce n'est ni le texte lui-même, ni la lecture du texte, ni le corpus des textes sacrés. Déjà, les théologiens avaient dit que la parole divine devait être distincte du livre, Kitab, du corpus, Mushaf, et la différence aussi entre le lu et la lecture. Tout ce qui est lu ne se confond pas avec la lecture. Vraiment, il y a des distinctions importantes. Distinctes aussi avec la table, al-lawh al-mahfoud, la table bien gardée. Donc, livre, corpus, table bien gardée, parole, lu, lecture. On voit bien qu'il y a une polysémie autour de la parole divine dans laquelle se fomente, se construit quelque chose comme la loi divine. Donc, la loi divine n'est pas univoque. La loi divine est polysémique, polythématique. Elle n'est pas d'orientation juridique exclusivement, elle comprend tout à fait quelque chose de cosmologique. Et du coup, ce sont les hommes qui transforment cette orientation divine, cette parole divine, en normes juridiques qui n'ont plus du tout le statut de loi divine, qui ont le statut de normes proprement humaines sur base d'une inspiration de la loi divine. Vous savez que la loi divine va être considérée comme une source et non pas un contenu. Et cette source, c'est cette parole divine consacrée par le discours inspiré du Coran et le discours inspiré des dits prophétiques. Et donc, il y a une source qui n'est pas un contenu et cette source alimente les écoles juridiques. Par exemple, l'école Shafi'ite au 9e siècle, l'école Malikite au même siècle, l'école Hanbalite, l'école Hanifite, quatre grandes écoles juridiques qui vont constituer historiquement ce qu'on va appeler la charia. Et donc la loi divine va être en quelque sorte constituée, donc dans le mot charia il n'y a pas du tout de le mot divin, et la charia c'est une réglementation inspirée des textes sacrés, mais non pas contenue dans les textes sacrés. Et cette inspiration va se moduler selon quatre grandes orientations qui continuent aujourd'hui encore de nourrir les textes de législation quand les pays arabo-musulmans constituent une
leur législation. Par exemple, le Maghreb est sous le rite malikite. Le chafirisme, c'est beaucoup plus des pays du Moyen-Orient. Le hanifisme a valu beaucoup dans l'Empire ottoman. Et donc, on voit une historicité de la charia qu'on perd beaucoup de vue. Cette historicité de la charia est véritablement essentielle. Et là, il faut prendre en charge les textes des jurisconsultes pour montrer qu'il y a eu véritablement des changements, des orientations. Et l'une des raisons qui plaide pour ne pas entendre la charia dans le texte sacré lui-même, eh bien, c'est que dans les lois, les hommes savent en changer. Or, le texte sacré est toujours le même. Et donc, si les lois passent et changent, c'est qu'elles ne sont pas contenues dans un texte qui, lui, reste le même en vue de son mode de narrativité. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes croient en raison d'un type d'écriture, mais non pas en raison d'un contenu précis, parce que les contenus sont obsolètes, mais la narrativité porte à croire. Et c'est cette narrativité spécifique qu'il faut interroger dans sa... dans son versant épique, cosmologique et bien sûr anthropologique. C'est Pierre Hadot, professeur au Collège de France, qui dit qu'il n'y a pas de tradition s'il n'y a pas de traduction, d'exégèse, de malentendu, de glissement de sens. Et donc on voit bien le glissement de sens opéré de l'intellect de la loi divine vers la foi et la raison et une dualité qui donne lieu à ce que moi j'appelle souvent dans mon ouvrage des crampes mentales, des crispations, parce qu'une fois qu'on a ces deux pôles, on reste dans l'idée qu'ils s'opposent et que les choses ne sont pas conciliables. Il reste qu'il y a, comme dit Maïmonide, une perplexité, haïra, une vraie perplexité, comme je le disais tout à l'heure, la piété religieuse se donne sans raison, et la philosophie cherche toujours ses raisons. Et donc l'intellect est toujours à même de donner ses raisons, mais l'intellect lui-même, à un certain moment, arrive à ce qu'on appelle des prémices premières, des indémontrables, et en réalité, la justification elle-même rencontre en quelque sorte un socle à partir duquel on démarre, et qui est ce qui est en quelque sorte posé comme indémontrable. Donc là, c'est intéressant de voir l'absence de justification ou l'arrêt des justifications dans le domaine de la piété et l'arrêt des justifications dans le domaine de l'intellect sous la forme d'indémontrable. Ils ne sont pas de même nature, mais dans les deux cas, la justification s'arrête. Donc c'est intéressant, si vous voulez, d'aller plus dans des réflexions autour de ce à quoi l'homme donne son assentiment, ce à quoi l'homme peut justifier ou ne pas justifier, plutôt que cette conciliation foi et raison qui semble finalement propre à donner des crampes mentales. Oui, alors effectivement, Renan a développé dans son ouvrage paru chez Kalman Levy au XIXe siècle, Averroès et l'Averroïsme, il avait développé cette thèse que la philosophie arabe n'est qu'une philosophie servile d'imitation pâle de la philosophie grecque, et que si on veut véritablement chercher la pensée première, il faut la chercher chez les Grecs. Les philosophes n'ont fait que imiter, et disait-il, pour parfaire son tableau, si on veut chercher une originalité chez les Arabes, il faut aller le chercher dans leur secte religieuse. Et donc finalement, ce qu'ils ont de spécifique et d'anhistorique, c'est la charia, sous la forme, disait-il, d'une tautologie Dieu et Dieu. Et leur originalité en pensée est nulle. Alors effectivement, après, il faut faire tout un travail de déconstruction de ce propos, de revenir au texte. Et moi, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est les différents types d'originalité. L'originalité, d'abord, on a une vision tronquée de ce que c'est qu'un commentaire. On pense qu'un commentaire, comme vous l'avez dit, c'est la reprise servile de la parole de l'autre. En fait, le commentaire est un style philosophique à part entière qui est commun aux philosophes arabes, mais aussi aux philosophes alexandrins avant eux. Simplicius avait fait un commentaire des textes de l'Aristote, des catégories en particulier. Ammonius, du traité de l'interprétation que j'ai traduit d'Ibn Rushd. Donc, l'activité du commentaire, c'est une activité qui consiste
comme on le fait toujours aujourd'hui, à citer quelqu'un et à faire des variantes. Autrement dit, personne n'a, en quelque sorte, la science infuse originale. C'est une vision très romantique de penser qu'on arrive, par tabula rasa, à donner une vision que personne n'a donnée. La création, elle est toujours dans les variantes. On le voit au niveau architectural, on le voit au niveau de la pensée. Toujours les variantes. Et ces commentaires sont producteurs de philosophie comment ? Producteurs de savoir comment ? Quelques exemples. Quand Averroès commente la poétique d'Aristote, cette poétique, Aristote parle du théâtre. Le théâtre n'existe pas dans la Cordoue du XIIe siècle. Il n'y a pas quelque chose comme une représentation d'Œdipe roi traîné par sa fille Antigone. Il n'y a pas quelque chose, les yeux crevés, non. Il n'y a pas quelque chose de cet ordre. Alors, comment quelqu'un qui commente Aristote peut-il précisément commenter correctement un texte qui suppose tout un contexte qui lui est absent ? Eh bien, il va s'accrocher analytiquement au terme et à partir de cette fidélité au terme, créer quelque chose de totalement nouveau. La définition du tragique par Aristote, c'est de dire qu'un malheur échoit par un proche sans qu'il soit mérité. Donc, il y a quelqu'un qui vous est proche, qui commet un malheur sur vous, ça vous échoit et ce n'est pas mérité, ce n'est pas parce que vous avez fait un crime ou quelque chose. Donc le ressort tragique est là. Averroès va dire, bon, cette définition, je la comprends très très bien parce qu'elle est authentifiée dans le texte sacré. Quand Abraham doit sacrifier son fils, un malheur qui lui échoit sans qu'il soit mérité. Il va prendre l'exemple d'Abraham. Quand Joseph est martyrisé par ses frères, ce n'est pas en raison d'un crime qu'il a commis, et c'est le malheur lui échoit par ses frères. Et donc la figure de Joseph, reprise dans le Coran de la Bible, et la figure d'Abraham devant sacrifier son fils, reprise de la Bible dans le Coran, vont être des éléments pour alimenter Aristote. Et on voit, c'est ce que j'ai appelé la composition hybride entre les sciences profanes et les sciences religieuses, comment le texte philosophique de la poétique d'Aristote va être alimenté par ce que les gens de son temps, comme dit Averroès, les gens de notre temps comprennent et ont leurs critères et leur contexte culturel. Et on a une nouvelle philosophie. De même, Aristote dit dans ce texte-là, la tragédie consiste à rendre les gens meilleurs qu'ils ne sont, et la tragédie s'oppose à la comédie. Et donc Averroès va dire, si c'est rendre les gens meilleurs qu'ils ne sont, finalement la tragédie c'est un art de l'éloge, et si ça s'oppose à la comédie est la satire. Et alors beaucoup lui ont reproché, dont Renan, qu'est-ce que c'est que cette bêtise et ce contresens de considérer que la tragédie est l'éloge et la comédie est la satire. Oui, mais c'est sur la base du texte d'Aristote et c'est une création philosophique. Donc, dans tout ce qui est de cette esthétique-là, il y avait une création. Autre création intéressante, c'est de considérer que dans la logique, les opérations que j'ai définies tout à l'heure, du concevoir, du raisonner, du juger et du définir, se prolongent en une opération tout aussi logique du persuader et du fabriquer des images. La rhétorique et la poétique sont intégrées à la philosophie, à la logique, ce qui peut nous surprendre aujourd'hui. Et cette intégration des actes de langage rhétorique et poétique aux actes de conception et de jugement et de raisonnement, aux actes logiques premiers, est une création philosophique extraordinaire. Elle se situe dans le sillage de ce qu'avaient commencé à faire les philosophes alexandrins comme Ammonius et Simplicius, Elias David que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y a véritablement une continuité et en même temps une création philosophique. Il y a aussi, on parle depuis tout à l'heure que du courant aristotélicien, mais il y a un courant non aristotélicien qui est le courant représenté par Al-Ghazali, qui est un courant qui repose aussi bien sur une expérience brute, un empirisme radical, que sur la centralité du texte de révélation. Et là, cette école empiriste va avoir des créations absolument inouïes d'un modèle philosophique qu'on a tendance à dévaloriser. Pourquoi ? Parce que comme Al-Ghazali était très critique à l'égard des aristotéliciens arabes et que les aristotéliciens arabes avaient quand même
la majeure partie de la philosophie dite arabe, on a considéré qu'Al-Razali n'était pas de la philosophie. Mais en fait, c'est une philosophie à part entière, en controverse avec le courant aristotélicien, par un courant empiriste. Et ce courant empiriste a donné des innovations extraordinaires qu'on découvrira plus tard chez Hume, David Hume par exemple, sur la critique de la causalité. Et sur la critique des quatre causes aristotéliciennes, quand on les lit dans Hume, on dit c'est véritablement innovateur, mais il y a eu, je ne dis pas qu'il y a une contamination entre Al-Razali et Malebranche et Pascal et David Hume, non, je ne dis pas qu'il y a une transmission, on ne sait pas cela, mais ces problèmes philosophiques se rencontrent déjà chez Al-Razali, presque dans les mêmes termes. La critique de la causalité, c'est une critique qui consiste à en dire quoi ? L'exemple d'Aristote disait, si je rapproche le coton du feu, le feu agit sur le coton et le brûle, donc le feu est la cause du fait que le coton se consume, ou que le bois se consume si je le mets dans le feu. Le feu brûle le bois, le feu brûle le coton, et donc le feu agit causalement, selon une cause matérielle et efficiente, sur le bois ou sur le coton. Al-Razali dit pas du tout, pas du tout. La seule chose que je peux dire, c'est que à chaque fois que je rapproche le feu du coton, le coton se consume. Mais je ne vois pas l'action de brûler. L'action de brûler, je ne la vois pas. Elle ne s'observe pas. C'est une action occulte. Et donc, plutôt que de dire que la causalité est intrinsèque dans les choses, garder un scepticisme venu de l'empirisme en disant « je ne peux véritablement rien dire de cette action causale ». En revanche, je peux dire que par contiguïté, par proximité, à chaque fois que j'ai le feu à côté du coton, le coton brûle, je vois que le coton se consume ou je vois que le bois se consume. Et cette idée de la contiguïté en lieu et place de la causalité intrinsèque dans les choses extérieures est une idée très forte, philosophiquement très opérante, très critique à l'égard d'Aristote et qui reviendra beaucoup dans l'empirisme humien. Et voilà encore de la création. J'ai donné un exemple de création poétique, je donne un exemple de création en théorie de la connaissance, j'ai donné l'exemple de création en logique intégrative, ce que j'appelle l'organon long, la logique élargie aux activités poétiques et rhétoriques. Voici quelques incursions dans une production du savoir tout à fait nouvelle chez ces philosophes médiévaux. D'abord, elle s'est continuée, mais nous n'avons plus été attentifs à cette continuité. Parce que depuis le XVe siècle, il y a eu la constitution de l'Empire ottoman, 1453, prise de Constantinople. Et donc, l'Empire ottoman s'est étendu de l'Algérie jusqu'au Yémen, en remontant jusqu'à la Crimée, et pendant 3-4 siècles. Et bien évidemment, le véhicule de la langue arabe s'est affaibli en raison d'une domination coloniale. Bien, ça c'est un premier point. Deuxième point, ça ne veut pas dire que dans ces pays-là, sous l'Empire ottoman, ces pays ne sont pas restés actifs culturellement. Ça s'est affaibli, mais ils sont restés actifs. Il y a des véritables acteurs du monde intellectuel. Je pense à la figure de Soyouti, très importante. Je pense à la figure de Liusi. Et en fait, comme tout ce monde-là n'a pas été ces acteurs du 16e, du 15e au 19e siècle n'a pas été traduit dans le monde européen qui a construit la modernité avec la Renaissance, eh bien on a pensé que du fait qu'ils n'étaient pas traduits, ils n'existaient pas, mais ils existent. Et il y a tout un travail à faire sur la présence de figures importantes, locales, qui ont circulé dans un domaine non européen, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Je vous donne un exemple. Grenade, Fès, Tlemcen, Tombouctou, du 16e au 19e siècle, c'est un axe
extraordinaire de circulation du savoir. C'est un axe extraordinaire de circulation du savoir. Le désert est faussement un lieu vide. Le désert est un lieu où les gens bougent beaucoup, où les gens recopient les manuscrits. Dernièrement, on a reparlé des manuscrits de Tombouctou, où il y a eu localement des constitutions, de confréries, d'écoles de pensée, etc. Mais elles ont eu un volume d'influence, une ère culturelle qui ne s'est pas étendue à la manière de celle qui les précédait. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un déclin. Ça veut dire que le savoir s'est beaucoup plus régionalisé, mais qu'il est resté très actif. Et il y a une figure extraordinaire au XVIe siècle, celle de Léon l'Africain, Hassan al-Wazan, qui est donc un diplomate érudit au service du roi de Fès, capturé au large de l'île de Gerba par des pirates. Avec des lettres de créance, on se rend compte que c'est un homme important. Il est vendu au Vatican, qui le libère et qui le fait écrire. La description de l'Afrique, premier ouvrage, qui a permis aux Européens de connaître ce continent, d'avoir une intelligibilité de ce continent. Et donc la description de l'Afrique, c'est l'Afrique que Léon l'Africain a arpentée, et en étant au service du roi de Fès, dont Tombouctou, l'Égypte, etc. C'est une description de l'Afrique totalement faite sur le modèle des géographes arabes qu'il avait étudié quand il était en jeunesse à Fès. Et donc, véritablement, il y a tout ce savoir qu'on n'a pas, qu'on a du mal à mettre en évidence. Des historiens comme Jocelyne Darlia de l'École des hautes études en sciences sociales a beaucoup insisté sur le mode épistolaire par lequel beaucoup d'échanges se sont faits. Où au XVIIe siècle, les gens allaient chercher ces manuscrits et les recopier, les traduisaient précisément en Provence. Il y a véritablement tout un univers aujourd'hui, un champ de savoir, un chantier de savoir méconnu du XVe au XIXe siècle, toute cette période précoloniale européenne, mais coloniale ottomane, avec un savoir arabe autochtone réel qui n'a pas été assez mis en évidence et qui devrait être mis en évidence. Donc ça, c'est une première réponse. La seconde réponse sur l'actualité aujourd'hui, c'est que tous les pays arabo-musulmans connaissent un déficit éducatif épouvantable depuis les 50 ans de la décolonisation. La volonté politique manque de pouvoir scolariser et alphabétiser tout le monde, de pouvoir référer à cette philosophie pour pouvoir en faire une variante aujourd'hui. Et ce déficit éducatif fait que le flambeau a été repris par des formes idéologiques, d'inscription dans ce que vous avez appelé le juridisme, de crispation sur tel ou tel aspect, de manque de connaissances des grandes écoles de jurisconsultes, de conservatisme divers au service de pouvoirs qui ont pu être totalitaires aussi, disons-le, le printemps arabe l'a montré. Et donc, le déficit éducatif fait que, effectivement, cette tradition de pensée tombe. Sa précarité a toujours été réelle et elle paye aussi la liberté de sa précarité. La philosophie arabe ne s'est pas mise sous l'égide de la théologie, donc elle n'a pas été protégée par la théologie. Et la théologie, précisément, le lui rend bien en la reléguant aux oubliettes. Parlons un petit peu d'Al-Kindi. Al-Kindi a écrit plusieurs épîtres. Beaucoup ne nous sont malheureusement pas parvenus. Donc c'est un philosophe du 9e siècle, 800 à 870 de l'ère chrétienne, en plein 9e siècle. C'est un philosophe qui a voulu véritablement
introduire la métaphysique aristotélicienne, la philosophie première. Il a écrit une épître sur la philosophie première et il a conçu cette idée extraordinaire d'une histoire de la vérité. C'est le premier qui a dit que aucun homme seul ni aucune culture seule ne peut arriver à acquérir le vrai dans sa totalité, et que donc l'idée d'une interaction des cultures, d'une dynamique des cultures qui reprennent le flambeau de la vérité, parce que chacune n'y accède que partiellement, et donc vous avez le puzzle de l'histoire de l'humanité sous la forme d'une participation progressive à la vérité, c'est véritablement Al-Kindi qui l'a mise en évidence, et il part des premiers rois de l'humanité dont parle le texte sacré jusqu'aux anciens philosophes, jusqu'à précisément son ère, et donc il a fait véritablement de l'outil de la traduction l'outil de interactif de composition des cultures. Il a aussi insister sur le fait que la philosophie, c'est la recherche des raisons. Et que si on labellise sagesse, cette sagesse n'est pas une sagesse répétitive sous la forme « les uns ont dit, les autres ont dit ». Il ne s'agit pas de faire un pot pourri de sagesse, il s'agit d'historiciser la sagesse elle-même par une argumentation précise. Et donc la sagesse doit pouvoir donner ses raisons. Une sagesse qui donne ses raisons et qui, par exemple, interroge le texte sacré avec ses propres outils à elle. Et donc quand le fils d'un calife, Al-Mu'tasim, lui pose la question, je lis dans la sourate 55, les plantes et les arbres se prosternent. Ça veut dire quoi pour des plantes et des arbres se prosterner? Eh bien, il va précisément dire, moi je peux vous répondre à partir des déductions rationnelles, que ne refuseront que ceux qui ont épousé la forme d'ignorance, dira-t-il. Et ces déductions rationnelles sont totalement compatibles avec la geste mohammedienne. Et pour lui, les plantes et les arbres n'ont ni genoux, ni paumes, ni mains, donc ils ne se prosternent pas de cette façon, mais dans la langue arabe, dit-il, il y a des mots qui ont des sens opposés. Et donc, le même mot a un sens opposé. Par exemple, si je dis à quelqu'un qui commet un acte injuste, « Oh, toi le juste !» Je vais l'appeler le juste parce que je conjure en lui l'injustice et je l'appelle du nom de ce que je lui souhaite. Et donc le mot « juste » se réfère aussi bien au juste qu'à l'injuste de ce point de vue-là. C'est comme ça qu'il commence son épître, par une exigence sémantique de décrispation des termes. Et donc on peut parler de prosternation de ce qui n'a pas les paumes, etc. parce qu'il y a la possibilité qu'un mot s'applique à des sens opposés. Et donc la prosternation des plantes et des arbres, ça veut dire simplement l'obéissance des plantes et des arbres à un principe régulateur qui, en fait, lui, se prosterne réellement devant le Créateur. Et donc, il y a cette idée que l'univers, dans son ensemble, se prosterne devant le Créateur et que c'est par façon de parler que, dans cet univers, on saisit une image parlante, les plantes et les arbres, parce qu'on est plus porté à croire à partir des choses qui vous rappellent votre quotidien qu'à partir d'abstractions comme l'âme du monde ou l'univers dans sa régularité. Ça, c'est Al-Kindi. Al-Farabi, c'est le grand logicien. Al-Maïmonide l'appelait le second maître, c'est-à-dire après Aristote. Et c'est celui qui a le plus porter les sciences de la logique au premier plan. Autant Al-Kindi avait porté la métaphysique et l'ouverture à une abstraction et un discours nouveau au 9e siècle, quelques décennies après, quelques dizaines d'années après, Al-Farabi, 870-950, a porté complètement les sciences de la logique à un niveau de développement inégalé. Un niveau de développement inégalé en commentant, faisant un commentaire de toutes les œuvres d'Aristote, les huit œuvres d'Aristote, des catégories, les huit œuvres logiques d'Aristote, des catégories
à la poétique, en passant par les topiques, de l'interprétation, les premiers, les secondes analytiques et la rhétorique. Et ce qui le distingue tout particulièrement, c'est d'avoir essayé, je l'avais dit rapidement tout à l'heure, d'avoir essayé de concilier pleinement les sciences politiques et les sciences de la logique. Les sciences politiques à travers la figure du législateur, en commentant les lois de Platon, mais aussi en faisant Kitab al-Milla, un livre de la religion qui est extraordinaire, où il montre toute la valeur cosmologique de la religion et pas simplement anthropologique. Et pour ce qui est d'anthropologique, indiquer que le premier législateur n'a pas pu tout faire de son temps, mais qu'il y a véritablement une succession des législateurs et chaque législateur s'adapte à son temps et à sa contrée, en changeant le travail du premier législateur, non pas parce que, dit-il, le premier législateur se serait trompé, mais parce que si le premier législateur revenait parmi nous, il ferait ce que nous ferions aujourd'hui par adaptation à notre contrée. Et donc il y a véritablement une réflexion très forte sur la législation, et considérant la jurisprudence, la charia, comme quelque chose de subalterne par rapport au travail de législation, qui est un travail historique, temporaire, adapté, contingent. Et donc la jurisprudence est un art contraint, le juge ne fait qu'appliquer la parole du législateur, et là, ça sonne d'une manière très, majeure, par cette idée qu'on ne peut pas isoler ni autonomiser des tribunaux de la charia, mais c'est toujours sous la figure du législateur que le juge peut travailler. Et ce juge, s'il travaille, doit totalement connaître toutes les sciences humaines, si je puis dire. J'emploie le mot science humaine, il est anachronique, mais dit-il, le juge doit connaître les premiers textes de législation, tout en se référant au dernier texte de législation. Il doit connaître la langue dans laquelle le premier législateur a parlé, tout en se référant au dernier lexique du dernier législateur. Il doit savoir les sciences de la logique pour connaître la portée des mots. Qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est universel? Il doit connaître ce qui est métaphorique, ce qui ne l'est pas. Et donc finalement, ce jurisconsulte doit en quelque sorte être un monsieur encyclopédie, parce que la loi est quelque chose de sérieux et il ne peut pas en quelque sorte escamoter ce travail-là. Ibn Rushd s'est inauguré à nouveau le geste philosophique qui a été fait à Bagdad au IXe siècle, mais cette fois-ci à Cordoue en Andalousie, parce que c'est un pays neuf, parce que la philosophie a tardé à y arriver et il fallait en quelque sorte l'inaugurer. Et il fallait tenir compte des objections d'Al-Razali qui avait relativisé la science aristotélicienne. Donc il avait un double défi, faire introduire la philosophie, reprendre l'héritage aristotélicien, critiquer Al-Razali et lui donner en même temps raison, parce que Avicenne, qui était visé par Al-Razali, a été un peu trop loin dans des formes non aristotéliciennes, un peu ismaéliennes, un peu chiite, d'imamologie, en insistant sur le fait qu'il y avait une imagination prophétique. Averroès dit « on n'en sait rien ». Cette imagination prophétique, ce n'est pas la peine de la thématiser, on n'en sait rien. Al-Razali a eu raison de vous critiquer, vous, monsieur Avicenne, sur fond de cette thématisation de l'imagination prophétique. Après tout, Al-Razali avait dit dans son empirisme clair, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un prophète, mais je sais ce qu'est Moïse, Jésus, Mohammed, c'est-à-dire des noms propres, et non pas le prophète. Le prophète, ça ne veut rien dire. La prophétie, ça ne veut rien dire. An-Nubuwa, ça ne veut rien dire. Ça, c'était Al-Razali qui avait été très très fort là-dessus, en insistant sur la valeur empirique nominaliste des noms propres. Et Averroès entend cette critique en insistant sur le fait que il ne faut pas aller sur des terrains hasardeux de problématisation philosophique qui donne lieu à une critique de l'héritage aristotélicien. Il reprend cet héritage, il le reprend fidèle Al-Farabi en insistant sur les sciences de la logique, fidèle aussi à Al-Kindi en reprenant la métaphysique. En fait, c'est la grande synthèse philosophique Ibn Rushd et sa force précisément de dire que le mode de vie
privilégié chez l'homme, c'est le mode de vie selon l'intellect. Alva Averroès, mon collègue Alain de Libera du Collège de France, l'appelle le père spirituel de l'Europe, parce qu'effectivement, s'il y a une figure de l'intellectuel que la Renaissance va construire et collaborer à construire, coopérer à construire, elle vient complètement d'une figure comme celle d'Averroès et d'Avimpas, Ibn Bajjah dont on parle moins, et d'Ibn Tofel, tous ces philosophes andalous. C'est comment considérer que la meilleure des vies, c'est une vie selon l'intellect. Et c'est ça la définition propre de l'intellectuel. C'est parce que j'ai commencé à travailler des textes de Gottlob Frege, de Bertrand Russell, de Whitehead et de Wittgenstein que je me suis intéressé à l'histoire de la logique. Et l'histoire de la logique, je me suis rendu compte que les philosophes arabes avaient une part éminente dans cette histoire de la logique. Et c'est à partir de la logique du 19e et du 20e siècle que j'ai été jeté un regard sur l'histoire de la logique aristotélicienne. Ah oui, tout à fait. La logique est importante parce qu'il fallait avoir un cadre de pensée. Et un cadre de pensée, ces philosophes ont considéré que le cadre aristotélicien des catégories était un cadre qui permettait véritablement de jeter un filet sur le monde pour pouvoir l'interpréter. Les catégories d'Aristote, les 10 catégories d'Aristote, ont été en quelque sorte portées en surestime par ces philosophes. La substance, la quantité, la qualité, l'action, la passion, le temps, le lieu, la position, l'avoir, sont des catégories qui sont des manières de penser et d'appréhender le monde. Donc, véritablement la logique en raison de son outil de conceptualisation. Mais la logique aussi en raison de son aimantation avec la langue et avec les soucis linguistiques. Vous savez qu'après la révélation islamique, se sont constituées les sciences de la grammaire parce qu'il y avait plein de prépositions dans le texte sacré dont on n'arrivait pas toujours à bien savoir comment les interpréter. Et donc, il y a eu véritablement des écrits de grammaire formelle avec Sibawayh très tôt, dès le 8e, 9e siècle. Et la logique vient en quelque sorte comme un geste de reprise des intérêts linguistiques à partir des rapports logiques. Et donc finalement, les connecteurs logiques vont en quelque sorte être une manière de redonner cette importance à la langue, mais cette fois-ci d'un point de vue un peu plus formel. Donc, comme outil pour conceptualiser et comme aimantation avec la langue pour réfléchir sur la manière dont on arrive à exprimer les choses. Parce que la pluralité de les difficultés, nos difficultés sont, comme dit Montaigne, sont grammairiennes. Les difficultés du monde sont grammairiennes. Et si on veut débrouiller les perplexités qui se posent à nous, eh bien, c'est d'abord à partir de la grammaire, qu'elle soit philosophique ou qu'elle soit propre à telle ou telle langue. Ibn Khaldoun a décrispé plusieurs questions par la langue et de ce point de vue-là, la sémantique et la constitution du lexique a été une première façon de quitter le caractère idéologique des questions comme le jihad, comme le khalifa. Et il montre très très bien dans son ouvrage, si je prends ces deux exemples, que c'est une question de langue qui d'abord fait évacuer le problème. Pour la question du khalifa, il dit les 4 premiers califes ont été des califes qui n'avaient de légitimité qu'en raison du compagnonnage avec le prophète. Et donc c'est une solidarité religieuse de compagnonnage. Ils l'ont tous connu visuellement, Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman. Et donc ces 4 califes, on les a appelés califes et il dit en fait non. Très vite, on les a appelés d'un autre nom. Lequel? Parce que dès que le prophète est mort, Abu Bakr qui l'a remplacé, Khalafahu, le calife est d'abord le remplaçant, on a dit c'est le calife du messager de Dieu. Khalifat Rasulallah, le calife du messager de Dieu. Oui, mais Omar, comment on va l'appeler? Le calife du calife
du messager de Dieu. Ça devient très incommode. Et dit-il un jour, un coursier venant rapporter une victoire militaire, dit « Je veux parler à Amir al-Mu'minin ». Et tout le monde lui a dit « Ah, tu as résolu notre problème, toi tu as su l'appeler, c'est le commandeur des croyants ». Et donc, c'est substitué à la notion de calife, de calife, de calife, de calife du messager de Dieu, l'idée de commandeur des croyants. Ce père, on le voit bien, le mot Dieu, messager de Dieu dans calife, khalifa sallallahu, et arrive le mot de croyant pour indiquer que c'est une gestion des croyants et non pas une transcendance par rapport à Dieu qui compte. Et cette gestion est tellement pas transcendante que c'est quelqu'un qui rapporte une victoire militaire, c'est-à-dire que c'est une gestion par contrainte d'un empire qui fait qu'on est prince des croyants et commandeur des croyants. Et c'est un point très très important. Cette idée sera relayée au XXe siècle par Ali Abdelrazik, le grand théologien qui a écrit l'islam et les fondements du pouvoir, l'islam au sol hukm, et il avait insisté, en citant beaucoup Averroès, en citant pardon, beaucoup Ibn Khaldoun, en disant le prophète est mort en nous ne laissant que des questions. Qui sera juge? On ne sait pas. Qui sera législateur? On ne sait pas. Comment sera gérée la cité? On ne sait pas. Et donc, finalement, pour tout ce qui gouverne la cité, nous n'avons que des questions. Et le califat, dans l'histoire, c'est une usurpation de pouvoir pour légitimer d'un point de vue religieux la conservation d'un pouvoir purement temporaire. Et je me plais à reprendre à ce sujet d'Ibn Khaldoun et de Ali Abdelrazik l'expression du philosophe allemand Lichtenberg, la ventriloquie transcendante qui consiste à attribuer à Dieu ce que les hommes font. Et donc le jihad a été une manière de pousser les croyants dans un combat, non pas en vue de conforter la religion, pas du tout, mais en vue de légitimer un pouvoir. Le jihad, c'est l'habillage religieux, d'une contrainte politique d'asseoir un pouvoir ou de le préserver. Ça, c'est déjà chez Ibn Khaldoun, et bien évidemment, Ali Abdelrazik le reprendra. Aujourd'hui, moi j'appelle ça l'héritage oublié. Ça fait 31 ans que j'enseigne, et dans les universités par lesquelles je suis passé, en dehors du cours que je faisais, personne ne parlait de ces philosophes-là. C'est assez dramatique, me semble-t-il, si bien que les étudiants que nous formons n'ont aucune souplesse à passer, comme vous venez de le faire, de Hume à Ibn Khaldoun, à Al-Ghazali, à Malebranche, en passant par Averroès. Moi, c'est ce que je souhaite modestement dans le cours que j'ai enseigné aussi bien à Nanterre-Ouest de 93 à 2003 qu'à Nice Sophia Antipolis de 2003 à 2011, que depuis 2011 à Créteil. J'ai un cours Platon-Aristote lu par les philosophes arabes pour pouvoir faire circuler cette référence pour qu'elle soit composante parmi les autres composantes du patrimoine commun de la pensée philosophique.